Avec plaisir, comme d'habitude, on y retrouve à pour parler de la cuisine nous, de notre pays, la Réunion, la cuisine facile à faire. Et aujourd'hui, on va faire des crevettes avec des aubergines. Cette niche à Réunion, nous dit chevrette avec Bringel. C'est un plat qui est très très facile à faire, pas cher du tout. Hein, mais euh, ces derniers temps, on a vu, comme il dit, pas cher hein, par rapport au brin aux aubergines que c'était bon marché avant. Des fois, les, des fois, il arrive que les prix baissent un peu, mais pas trop trop. Hein, ces derniers temps. Donc, euh, un repas très très simple à faire. Alors euh, d'habitude nous fait ces bonnes plats-là avec euh, de la viande, nous fait avec euh, du, du boucané ou sinon ça du, du porc massalé. Et donc là moi, on a fait un petit euh, brinjel aux crevettes, hein, de crevettes. C'est juste pour donner le goût euh, brinjel. Les crevettes que tu vois là c'est des crevettes euh, pas trop trop grosses. Tu peux prendre des gros crevettes aussi. Hein. Le but c'est de ne pas faire frites trop non plus les de crevettes. Euh, si tu fais frites trop ben, les crevettes, euh, il devient un peu en lastique, euh, il est pas trop trop euh, gaillard pour manger. Euh, quand on a fini fait frites euh, tout ça là, il suffit euh, d'ajouter euh, les oignons en premier. Euh, les oignons, vous n'allez pas obligé de faire rendre ça euh, complètement grillé, euh, frite, bien rose. Euh, ça t'y fait devenir un petit peu translucide. Euh, ça va, elle n'est pas mauvaise euh, du tout. Hein, donc, euh, vu que du ça va cuire. Hein, bien euh, bien comme, comme qu'il faut dans le banzobéachi dans le ban, euh, le ban bringel euh, les ça fond complètement ça, ça trouve euh, les oignons il hein, un peu il aime pas trop les oignons euh, dans le curry pourquoi parce qu'il ben ils viennent il est obligé de tirer par petits bouts de mettre sur le bord plat et il fait trop il fait un peu vilain. donc euh, là on euh, n'aura pas ce souci là même avec la tomate que mis à mettre dedans le l'ail euh, et le sel euh, des ingrédients simples hein, sel l'ail hein, donc la fiche recette les euh, à la fin de, de l'émission euh, ça regarde je va bien voir et euh, nous pourrions ajouter du piment vert ou du piment sec en dedans. Et là, moi, j'ai cho euh, choisi d'ajouter euh, du piment euh, rouge, hein, de, du piment écrasé euh, en poudre plutôt, euh, ou du piment écrasé rouge aussi, pas mauvais non plus. Hein. Donc, euh, du piment en poudre, que vous allez peut acheter dans le commerce. Il euh, est déjà assez fort. Quand même, une petite cuillère à café, euh, elle est quand même pas mal hein, pour un kilo de brin gel que nous a fait là, hein, que moi l'a fait là. Voilà, Les tomates m'y fait revenir. Et euh, là-dedans, euh, dans la préparation au tout début avec euh, les oignons, tomates, euh, euh, sel, l'ail euh, et piment, elle ben, ne nous met pas de l'eau dedans elle nous fait transpirer un petit peu. Et puis, euh, m'y va ajouter euh, juste après euh, les bonnes bringelles dans les bonnes aubergines. C'est un plat très très simple hein, comme d'habitude. Et puis, il euh, m'y rappelle aussi aux personnes là, que souvent, on a des commentaires qui disent Moi, ils fait comme ci, ils ont fait comme ça. Ah ben, elle est bien parce que chaque personne, il fait à sa façon euh, ce qu'elle est intéressant. Et puis, euh, dans la cuisine réunionnaise, euh, nous, on pas tout le temps les mêmes épices, on pas tout le temps la même façon de faire. Et puis, dans les bas comme dans les hauts, Nina une certaine manière de cuisiner n'est pas pareil dans les bas. Donc, chacun. Euh, il euh, ben apprend à sa façon. Hein. Donc, euh, la cuisine réunionnaise, ce n'est pas une cuisine intellectuelle, mais c'est une cuisine simple. Hein. Donc, euh, à la portée euh, de tout le monde. Hein. Quand vous attirez les autres cases, vous besoin de faire une affaire. Il ne faut pas batailler, mailler, aller rendre telle ou telle épice dans le commerce là-bas, à la pointe. Euh, donc euh, là les suies c'est atteint la plupart du temps. vous euh, dans ces, dans votre placard ce type dépices là. Alors le faire revenir le piment en poudre là, piment en poudre rouge. Hein, donc euh, fais attention avec ça aussi parce que si vous y mettez trop, euh, l'air c'est fort et surtout euh, dans l'huile fumante et là si vous prendre une bonne hotte pour aspirer, il risque qu'il pique nez, il brûle nez. Alors, les euh, bringelles, on la coupe à lui, euh, comme ça, tu vois là, en petits cubes, hein, en cubes moyennes. Hein, donc, on euh, euh, y ajoute à lui au fur et à mesure. Et euh, dans le brinjel, il faut ajouter de l'eau, hein, parce que cette ça, il n'ajoute ajoute pas de l'eau, il fait que le brin gel si doucement. Euh, des fois, il peut tomber sur des -gel, ben, il fait de l'eau, mais ça, ce type, comme on a là, euh, dernièrement, mais ne pas comment on l'a fait, mais on a modifié ça génétiquement, je sais pas quoi, mais ben, le brinjel fait plus trop trop de l'eau. Hein, donc, euh, là, on euh, nous ajoute euh, les brinjels, un kilo de brinjels environ. Et quand un kilo de bringel, euh, quand il a fini il cuit, il n'y a plus grand chose dedans. Hein, il fait un gros tas et c'est une affaire que euh, tu peut manger euh, quasiment sans modération et euh, sans plus. Hein, donc euh, lui-là, c'est bon quand même. Alors on nous va ajouter, nous ajouter aussi un petit peu de curcuma à l'intérieur. Euh, il est très important le curcuma ici à la Réunion. Et comme il dit souvent, trouver un bon cucumel est très difficile. Ce n'est pas dans une grande supermarché, une grande surface, elle va pouvoir euh, trouver ça. Euh, voilà le brin gel, m'y ajoute euh, les, le brin gel en dedans. On un petit peu de l'eau, là ne vous pas vu, parce que sinon ça n'aurait sec, n'aurait fumé euh, les pas trop, trop gaillards. Donc, on ne euh, m'a pas voulu faire du brin gel grillé mais un bon petit curry brin facilement avec des crevettes. Euh, les crevettes, moi, on a fait frites au tout début, je l'ai vu, et euh, quand on a fait frites, on l'a à lui dans la, dans la friture, hein, on va mettre de côté. Euh, je ne voulais pas trop faire cuire avec le brin parce que le brin gel, faut mettre un petit peu de l'eau dedans, et moi, m'y veux que mon brin est bien en pâte, hein, donc euh, il faut pas qu'on y ait des morceaux un peu grossièrement comme ça, euh, parce que des fois, le bringel, euh, surtout ces derniers temps, il trouve que la nourriture a changé par rapport euh, à la nourriture d'avant. Hein. Euh, même sur le, le point de vue euh, bringel ou légumes, tout ça, il y a un goût un peu bizarre des fois. Hein. Donc, euh, il ne connaît pas si c'est des produits que je y mets dedans ou euh, ce que je t'y fais avec. Euh, en tous les cas, il euh, n'est plus pareil avant. Donc, il euh, changé hein, depuis un bon moment. Euh, voilà, les brin -gel, elle me fait elles nous font cuire doucement, comme vous voyez là. Prendre ce temps. Euh, C'est un carré, il euh, est assez long quand même. Hein. Là, vous vu la vidéo, il dure quand même un petit bout de temps. Il euh, est quasiment filmé euh, en temps réel. Et euh, pour la cuisson des brindilles, on a coupé un peu la vidéo. Euh, sinon, ça, faut avoir, nous l'aurait causé, 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 causé. Donc, euh, fallait, il faut juste euh, causer ce qu'il faut pour présenter cette recette là. Alors, les -gel, là, nous ajouter un, un peu de l'eau. Il dépend de l'eau, hein. de l'eau. Tu peux ajouter euh, un demi verre, comme un verre l'eau Ouais, il dépend comment tu veux faire. Il dépend aussi euh, la texture du brin gel, comment il est. Hein. Euh, moi en règle générale, un V à dos est largement suffisant, il baisse le feu et il euh, laisse aller cuire petit doucement comme ça tu vois là dent dans, dans ce brin gel-là, parce qu'on l'a fait de façon très simple, on hein, l'a fait euh, sans maillage, avec des épices de base. Hein. Vous tu pourrais ajouter, euh, par exemple, des petits cives, là, des morceaux des cives, des oignons verts à tourner ensemble. Vous tu pourrais ajouter un peu de en dedans. Euh, cotoméli, c'est un coriandre, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Euh, ajouter un petit peu dedans, il donne le goût, il est très très bon. Euh, Néna n'aurait pu ajouter aussi quelques graines de moutarde euh, noire et, et jaune. Euh, euh, vous n'auriez pu torréfier dans l'huile en tout début. Hein. Ça il dépend des goûts. Hein. On euh, aurait pu mettre aussi euh, du massalé dedans, un petit bringel massalé avec crevettes, les pas mauvais du tout. Euh, ça aussi, il est très intéressant. Et euh, c'est un plat il est assez euh, complet quand même. Hein. Nous voilà là-dessus, nous avons les crevettes, nous avons la fibre avec euh, les aubergines et gel, Nous avons des épices hein, qui euh, permettent à nous de gagner le goût, euh, les pas mauvais du tout c'est un plat que nous pouvons manger quasiment tout seul avec un bout de pain ou sinon ça avec du riz ou comme tous les plats mi fait la plupart du temps quand on se fait des caries comme ça ça il va bien avec un petit peu d'acidité avec un petit sauce piment ou sinon ça autre chose avec du moment que les ou sinon ça un petit rougail tamarin longtemps pour coffer il faudrait un C4 nous fait ça un petit rougail tamarin vert un petit tamarin temps de vert il n'est pas mauvais non plus il faudrait un C4 mais ça va faire mais fait sa poussotte et euh, là, en ces derniers temps, il croit que le tamarin a bien grossi. Hein, il commence euh, à devenir un peu jaune, euh, malgré l'hiver. Il a 2-3 mois de ça, normalement, le tamarin était petit. Hein, donc, le euh, tamarin aussi pas mauvais non plus. Euh, voilà, en gros. Comme ça, tu vois là, sur la recette, ben, le brin gel est quasiment bon. Euh, pour certaines personnes, comme moi par exemple, en règle générale, il a croûter un petit peu. Alors, croûter veut dire, mais c'est bien collé dans la marmite là. Et après, il racali un petit peu. Il donne à un petit goût assez spécial, quand même. Voilà, une recette très simple à faire. Hein, donc, je euh, ne pas cher euh, comme cher, hein, parce que vu le prix des, des légumes maintenant, ici à La Réunion, donc, euh, euh, azote de voir. En tous les cas, je euh, souhaite Azote un bon appétit euh, là-dessus. Là et oublie pas d'abonner azote pour être euh, au courant des dernières vidéos que nous fait Et merci encore pour. Les commentaires positifs qu'on a. 2, les négatifs, parce que Zot, il euh, pense que trouver la solution de certaines choses. Bon, moi, c'est la simplicité même. Voilà, merci à Zot. Nia, retrouve en toute simplicité. Merci.